Ok, on a pas avancé avec Colin. Là, nous avons un dernier audio. Dans le dernier audio, on a regardé ensemble hyperlipoprotéinémie de type 4 là. Donc, on a regardé ensemble et puis on a regardé, bien qu'il y ait parlé de hyperlipoprotéinémie de type 5 tout. Donc, nous avons juste regardé dans le simple audio ça pour regarder qui ça lit et puis on a regardé tout. Qui ça qui ont hypolipoprotéinémie, qui vraiment lui-même n'est pas classé. Ok, hyperlipoprotéinémie de type 4 ans et même y aurait les hypertriglycéridémie. Ok, côté gain augmentation, non, nous dit hyperlipoprotéinémie de type 3, c'est bêta lipoprotéine qui est augmenté. Bêta lipoprotéine, nous changer, c'est mauvais cholestérol, là, LDL, et dédit tout dans sang, dans plasma, gain deux grands types de graisse, gain et graisse à combiner avec protéines dans le plasma pour former deux types de substances. Gagner premièrement cholestérol, yo, bon et mauvais cholestérol, et puis triglycérides. Ok? Maintenant, lorsque vous avez une augmentation de triglycérides, l'hyperalbaï, ça aurait les maladies, il aurait les hyperlipoprotéinémie de type 4. Ok? Il dit hyperlipoprotéinémie de type 4, c'est une hypertriglycéridémie, mais qui endogène. Avec dit problème non, li en dedans, c'est en dedans même problème non causé. Il n'est pas causé par facteur externe. Donc, il dit son maladie qui est très fréquente. Ok? Li familial tout, certaines fois. Et puis, il est caractérisé par une élévation de valeur triglycéridio, ça nous dit tout à l'heure. Ok? Et également, ils ont prédisposition, puis pour maladie ça, pour les bagailles, il y a bail athérosclérose. Et on prend pour une prédisposition possible à l'athérosclérose. Maintenant, manifestation clinique et diagnostic. Je dis, augmentation de graisse sale est toujours associée, ou bien souvent associée, avec des courbes de tolérance au glucose. Ça veut dire pendant que la graisse a augmenté, mon nom n'est pas toléré le glucose. Parce que même j'avais hyperlipidémie et de hyperlipoprotéinémie de type 3. OK? Et mon tout, il dit, là bien, on augmentation de poids qui est vraiment faite de manière anormale et la conduit à sa relée obésité. OK? Ok. Maintenant, pronostic. Non, d'abord, on va parler de pronostic. Je dis toujours un symptôme. On dit que le cholestérol là, même est normal ou bien capable légèrement augmenter. C'est le cholestérol là. Hein? Triglycéride augmenté, mais le cholestérol là, qui était normal ou bien tout le cas augmenté. Tout. Ok. Et ça, lui-même, il a dû à des problèmes. Effet secondaire là-bas au stress. Ok. Des problèmes de stress. Il a dû à un problème de stress. Avec un excès d'alcool et un excès de diète alimentaire qui est riche en graisse. Maintenant, pronostic. Je dis pronostic là, il est incertain. Il n'y a pas vraiment connaît vraiment de manière détaillée pronostic là en soi, mais on dit que lui-même est capable de lier avec une cardiopathie ischémique prématurée. Pas bien que nous qui s'acquiert en ischémie, t'as expliqué nous ça dans. Dans l'audio qui était venu avant ça. Et yon cardiopathie, pathie, pathos, c'est maladie. Donc, cardio dérivé de cœur. Donc, c'est maladie cœur. Donc, est-ce qu'il nous expliquer nous ça, ça est déjà. OK? Maintenant, traitement. Qui traitement on a fait pour les gens qui gagnent hyperlipoprotéinémie de type 4? Donc, réduction poids moun. OK? Il dit pour moi baisser la quantité de graisse que le gain dans le col, c'est un facteur qui est hyper important. Et il dit tout, c'est moyen ou bien c'est traitement qui est plus efficace. Okay? C'est traitement qui est plus efficace pour normaliser le taux de lipides dans la graisse, dans le sang. Très très important. Réduction en poids, réduction de poids ou bien réduction pondérale là. C'est toujours moyen qui est plus efficace pour réduire la quantité de graisse que mon a gagné dans le sang. OK? Donc, mon ça est obligé d'aller prescrire parce que même genre acide nicotinique pour bouler graisse là, environ 3 g d'acide nicotinique par os.
ou bien 0,6 okay, à 1,2 g par jour per os de un médicament légume fibrosil. Ok? Et deux médicaments, ça a eu, acide nicotinique avec gène fibrosil, avec gène fibrosil, eux-mêmes, ils ont une capacité pour réduire, eux-mêmes, ils ont acide nicotinique là, avec gène fibrosil, ils ont une capacité pour réduire quand c'est graisse qui est dans le sang. Donc, en gros, c'est ça pour hyperlipoproténémie du type 4 là. Donc, on a juste pour garder hyperlipoproténémie de type 5 même. Donc, maintenant, symptômes de maladie qui paraît généralement au début de l'âge adulte. Et maintenant, son hypertriglycéridémie et tout. Hyperlipoproténémie de type 5 sont c'est augmentation de triglycéride et tout. Mais ils sont augmentation de triglycéride, donc ils font de façon mixée. Ça veut dire non seulement triglycéride augmenté, et puis hyper bêta-lipoprotéinémie. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de bêta-lipoprotéinio et on a une augmentation tout de alpha-lipoprotéinio. Ok? Et une augmentation de chylomicron. Maintenant, symptômes. Et on dit maladie en général au début de l'âge adulte. Et puis, il va pousser le xanthome, tout va pousser le xanthome érectif dans le visage, ok, avec une extension membio. Okay. Donc, à noter que puis, toute maladie, ça a eu, même dans symptômes, ou a besoin de xanthome, ou a bien, c'est de et croissance, c'est le qui pousse dans le corps, dans l'extrémité, tant qu'au plat main, tant qu'au coude, tant qu'au genou, orteils, des fois dans face, nous avons une hyperlipoproténémie de type 5 là. Donc, etc. Maintenant, qui pronostique hyperlipoproténémie de type 5 là? Risque principal là. Risque principal, parmi lui-même, lycée en glycéridémie mixte, en hypertriglycéridémie mixte, qui est accompagné de bêta-lipoproténémie, qui est accompagné également de hyper-alpha-lipoproténémie. Donc, maintenant, pronostic là, dès que vous avez une graisse qui augmente dans l'organisme, nous avons ça déjà et depuis avant. Donc, vous avez gagné un organe qui a plus atteint. Vous avez d'habitude foie. Donc, c'est pancréas. Donc, vous avez gagné une augmentation. Sur les maladies, ça, vous avez une augmentation de volume de pancréas. Vous avez les maladies, ça, pancréatite. OK? Et vous avez gagné tout. Des accès ou bien des accès récidivants qui capable bail ça ou l'excès de consommation de graisse est capable conduire à formation de faux kystes OK dans l'organisme bien sûr le kyste mais parce que kyste là un kyste c'est accumulation de liquide dans cavité qui néo formé qui fait former OK mais ou gain ça et mais ou pas gain accumulation de liquide vrai c'est ça qui est un pseudo kyste OK. Donc, en gros, c'est ça. Et également, on gagne dans le pronostic là, on a bien athérosclérose tout. Maintenant, traitement de l'hyperlipoproténémie de type 5, réduction pondérale, c'est super important. Et également, gemme fibrosil, c'est une substance qui est très utilisée. Donc, environ 1 à 2 grammes par jour de gemme fibrosil. OK. Là, on a donc juste faut garder hypolipoproténémie. T'as l'air de regarder les lipoprotéines augmentées, toute maladie qui accompagne eux, à une augmentation de lipoprotéines. Et pas bien qui ça comme lipoprotéine, c'est un composé complexe qui formé de graisse et qui formé de protéines. Et généralement, composé ça a même formé au niveau du plasma sanguin. C'est graisse ou rien dans le plasma qui pral accompagner qui peut combiner avec certaines protéines au niveau du plasma sanguin, telles que l'albumine, la fibrine, fibrinogène, globuline, etc. Ok? C'est ça qui ont lipoprotéines. Maintenant, nous allons regarder les lipoprotéines qui ont baissé dans ça, qui c'est ça qui a baissé. Donc, on va juste regarder de manière
Donc, on a quitté parti ça pour l'engager une interaction, question, pour me poser sur lui, mais on a juste gardé lui de manière pas vague, mais de manière générale. Donc, il dit hypobêta-hypoprotéinémie. Donc, son maladie héréditaire qui est transmise sur le mode mendélien, ça veut dire loi de Gregor Mendel, nous connaissons ça, c'est génétique. Donc, qui dominait caractérisé par une diminution du taux de l'hypoprotéine, mais là, elle a gardé ses baisses de bêta-hypoprotéine, en diminution de baisse et en diminution de bêta-hypoprotéine dans ça. Il n'y a pas de général signe et symptômes, lipidio même au bas, avec taux de cholestérol plasmatique autour de 0,7 à 1,20 g par litre. Donc, en dépit, il dit alimentation équilibrée, consommation de graisse anormale, etc. La forme homozygote de la maladie, donc, etc. Donc, généralement, on a une hypolipoprotéinémie. Donc, on peut aller au médecin, pour il y a beau faire dosage lipidique là. Yo gade, yo dose LDL, yo dose HDL, yo dose VLDL, etc. Yo dose triglycéride, yo dose cholestérol total. Donc, y apwe ke moun sa li gen yon bes vreman konsiderable de diferent molekul sa yo. Donc, yo pral preskri, yo pral meto sou cholestérol porteur. Donc, yo ka diyo non seulement pou pran gres, men ki gres ap diyo pran, ap diyo pran gres saturé, yo pral konsiderable pou pran gres végétal. Ok? Et certaines fois, ils sont capables de faire des médicaments et cholestérol, mais cholestérol synthétique, mais qui est végétal, tout qui ne peut pas le déranger. Donc, et, en gros, c'est ça. Et c'est le chapitre ça, nous finissons avec lui. Nous avons introduit depuis notre premier cours, depuis notre commencement, depuis le début du cours, là, vitamine O, mais pourquoi j'aime rentrer dans la vitamine O, parce que ça, c'est un chapitre qui est intéressant. Donc, les vitamines, les différentes vitamines. Et la santé nutritionnelle, donc ça c'est pour le prochain chapitre. Parce que ça prend environ 2 ou 3 chapitres, c'est sûr. Bon, les sont au prochain chapitre, mais elle t'a supposé pour environ 8 audios, 8 à 12 audios, pour nous parler de toute vitamine, pour nous dire qui sont venus de toutes, parce qu'on est juste introduit. Donc là, on va regarder encore de manière générale, on va rentrer de manière détaillée dans chaque vitamine qui est sur yé, qui ça yé, qui ça n'a pas qui maladie la baille, qui maladie n'a parlé de beriberi, n'a parlé de pélagre, n'a parlé de scorbut, n'a parlé de toute baille ça. Donc dans le prochain chapitre là, on pense que on a besoin au moins 12 audios pour nous faire ça. Et prochain chapitre là, c'est sûr que c'est pour la semaine prochaine. Donc après que nous fin auditionner chapitre ça et dimanche si Dieu veut, on pense que Clora mettez et disposition pour nous faire interaction dans le qu'on a habitué faire là et puis pour semaine prochaine pour nous travailler pour nous voir excusez pour nous voir l'autre chapitre là tout audio l'autre chapitre là et puis pour nous prendre environ 2 dimanches bah c'est 2 ou 3 dimanches pour nous interagir sur le chapitre là et puis pour nous avancer donc pas oublier avec nous c'est toujours fidèle amis nous guide nous tuteur etc donc et docteur Pierre Lugeri et m'a rappelé nous. Nous avons l'Université Nouveau Monde et puis bon espace universitaire qui bail cours en ligne. Donc, je ne vais pas faire réclame, ce n'est pas réclame que je fais non plus. Donc, je pense que l'initiative là, c'est une initiative qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Et c'est une initiative qui m'a donné un plus d'encouragement. Donc, je pense que nous-mêmes, moi-même comme professeur, nous gagnons et support pour nous bail. Donc, dans le bail cours, on a un cours de qualité et fait tout bon impossible pour me faire plus explicite que possible. Parce que c'est à distance, c'est qu'on son cours à distance. Donc, les demandes plus de disponibilité que possible en termes de. Et pour me rendre peut-être moins plus compréhensible, ok, que je suis capable. Donc, et également, donc, parce que nous-mêmes, tous étudiants, étudiantes de UNM, donc nous-mêmes, tous, nous gagnons plus volonté pour nous mettre. D'ailleurs, nous féliciter, nous mettons pile volonté déjà. Donc, pour nous avancer avec Colin, pour nous encourager, et initiateurs, et universitaires, rectorat, pour nous encourager, et monsieur Depey, et comme recteur, pour nous encourager, parce que, ça, c'est un travail qui est vraiment impeccable. Donc, impeccable et travail impeccable ça. Donc, moi-même, je me garde toujours toute volonté. Donc, pour me faire cours, pour moi interagir avec nous, etc. Mais c'est toutefois
Oui, pas gagner un staff qui des bagages ça gagner ingénieur informatique là si lui même n'est pas gagné volonté c'est sûr que quoi va passer gagner des rectorats des canards différentes parties donc si vous pas une disponibilité quoi va passer également gagner nous même tous étudiants étudiantes les cours disponibles si nous pas manifester volonté pour nous attendre des cours attendre des audios pour nous manifester volonté pour nous inscrire manifester volonté pour nous là l'interaction manifester volonté pour nous interagir pour nous poser des questions c'est sûr que ça n'est pas possible donc et de là moi remercie nous toutes moi remercie et ingénieurs en informatique là moi remercie board qui a fait toute mise en œuvre. Et moi remercie rectorat moi remercie monsieur Despins spécifiquement spécialement et moi remercie nous toutes également pour disponibilité non pour auditionner nos auditions école donc avec nous c'est docteur Pierre Lugéry, nous passons dimanche si Dieu veut nous apprendre ensemble pour interaction et portez-nous bien.